C'est cet homme qui m'accuse d'assassinat, alors qu'il sait pertinemment que les responsables sont autour de lui, et qu'en empêchant le juge d'instruction d'entendre toutes les personnes indiquées par l'arrêt de la chambre d'accusation, il commet un crime d'entrave à la justice qui, dans toute démocratie digne de ce nom, aurait conduit immédiatement le président coupable de ce forfait devant la Haute Cour de justice.